Aujourd'hui, on te propose de remplacer ton pain à burger par des rondelles de butternut. C'est parti! Coupe 4 rondelles de butternut que tu auras épluchées. Place-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et ajoute de l'huile d'olive, du sel et du poivre par-dessus. Fais cuire le tout pendant 30 à 35 minutes à 190 degrés. Dans une poêle, fais revenir un demi-oignon coupé en rondelles avec de l'huile d'olive et réserve le tout. Pour des steaks parfaitement cuits, fais fondre du beurre et fais cuire tes steaks sur feu vif pendant 1 minute. Retourne-les et fais-les cuire de nouveau pendant 1 minute. Retourne encore et sur feu moyen, cette fois-ci fais-les cuire 1 minute 30. Pour la dernière cuisson, ajoute sel, poivre et une tranche de fromage et laisse-les cuire 1 minute. Pour la sauce tomate, mélange 2 cuillères à soupe de purée de tomates, du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du romarin séché. Et maintenant place au montage, butternut, sauce tomate, salade, steak fromage, oignon, salade et de nouveau butternut. Et voilà, bon app'.